Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, alors, voici Ruby Love. Donc, je suis fière de vous présenter Ruby Love. Donc, c'est ma nouvelle chire de robe Rouanne. Donc, c'est magnifique parce qu'elle a comme un dégradé. Donc, j'aime vraiment. Donc, il y avait noir, bai ou Rouan. Moi, ma préférée, c'était Rouan parce que, ben, je suis pas très chevaux, très, très, très foncés comme noir ou bai. Ça dépend aussi, mais je trouvais vraiment elle, c'était la plus belle avec ses dégradés de couleurs. Et j'ai vérifié, ça existe un chire Rouan. En fait, c'est attribué seulement pour les femelles, je pense. Les femelles Rouan peuvent. Les femelles chires peuvent être Rouan. En tout cas, j'ai vu ça quelque part. Mais bon, c'est ça. Alors, donc, je vais vous la présenter. Donc, là, je suis en train de la présenter. Et je vais vous montrer les caractéristiques des chires dans Star Stable. Donc, c'est le plus grand cheval jamais créé sur le jeu. Donc, là, peut-être, ouais, plus tard, je vais vous faire. Je vais comparer avec mon cheval Brave Bossy. Donc, un Jorviquois à sang chaud. Donc, c'est un cheval, un grand cheval. Donc, son pas, il est très beau. Ensuite, c'est le tout. Le petit galop. Un grand galop. Voilà, ses vitesses. Ensuite, ça s'arrête comme ça. Elle se cabre comme ça. Elle recule comme ça. Donc voilà. Et aussi, elle fait quand on descend. Donc, alors là, les chires. Je vais vous montrer. Allez, Ruby, là, vas-y. Donc, elle fait plusieurs choses à l'arrêt, ben, quand vous n'êtes pas seul. Donc, elle broute, c'est vraiment trop mignon. Oh, elle est vraiment trop belle. Donc, j'arrive presque pas à croire en fait que je l'ai, c'est vraiment incroyable. Parce que, en fait, c'était hier que j'ai acheté. Elle met même son sabot repos ici. Attends, là elle broute. Elle remet de la queue. Il n'y a rien à manger sur le sol. C'est que du bois. Cocotte. Et aussi. Et elle met son sabot au repos, donc c'est trop mignon. Donc voilà, alors super grand. Alors moi, je change pas sa crinière parce que ben, je trouve c'est la plus belle celle-là pour une chire. Les autres trouvent que quand c'est court, ça lui va pas parce qu'elle a une grande encolure. Pour la façon de dressage, bah, il n'y a pas de dégradé donc. Moi, je la change pas, d'être vraiment superbe comme ça. Donc, je vais vous montrer la différence entre un chire et un jorviquois sans chaud. Donc, j'ai pas encore de chevaux parce que je préfère pas acheter plein de chevaux en même temps, puis en acheter un à la fois pour profiter. Mais à Noël, je vais avoir 5000 star points, donc là, je vais sûrement en acheter plusieurs à la fois. Mais bon.
Alors, mon bravo, c'est là-bas. Mon cheval depuis le début. J'ai un petit lapin aussi que j'ai acheté avec une pochette. Puis j'ai acheté une nouvelle bombe. Donc, je vais vous montrer la différence de taille. Donc, vraiment, c'est le plus grand cheval du jeu. Même comparé à. J'ai vu un. Un Tinker, c'est vraiment un tout petit cheval, le Tinker. Voilà. Alors. Donc vous voyez la différence. Aussi il est plus mince, il est plus musclé parce que c'est un cheval plus utilisé pour de travaux. Donc on voit vraiment beaucoup, la différence est très grande. Comparé à d'autres chevaux, ben aussi, en fait c'est le plus grand. Donc voilà la présentation de ma Ruby Love, donc amour de Ruby. Donc parce qu'un rubis c'est rouge, ben, je trouve que ses reflets, ça fait un petit peu, ça s'approche un peu du rouge. Enfin, et comme ça. Et puis ma petite amour, voilà. Donc voilà ma magnifique Ruby Love. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aussi. Genre, bon, j'ai été voir genre Vicistime, mais vraiment j'ai pas vu de différence. Donc je sais pas si. Ont vraiment changé, en tout cas j'ai pas vu trop. Donc là je laisse en attendant et puis bon je verrai une autre fois parce que pour le moment je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, alors je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye.